Chers téléspectateurs, salut au nom souverain de Jésus de Nazareth. Shalom à chacun d'entre vous. Nous entrons dans le mois d'avril qui sera un mois de guerre pour nous, un mois de victoire aussi, un mois où la grâce de Dieu se révélera du haut des cieux, où des armées célestes visiteront le peuple de Dieu, où des anges haut gradés dans les hiérarchies spirituelles descendront pour secourir le peuple de Dieu, comme l'archange Michaël est descendu pour secourir Josué dans la bataille de Jéricho. Les murailles de Jéricho, ce mois d'avril, seront renversées. Peu importe le pays où vous m'écoutez, peu importe la nation où vous êtes, la gloire de Dieu se révélera dans votre vie. Vos combats ne seront plus vos combats. La Bible dit dans Exode 14, verset 14, « Yahweh lahem lakiwi atem taharisun » L'Éternel combattra pour vous et vous allez vous reposer. Dieu me dit de te dire que le temps de ton repos est venu, parce qu'en ce mois d'avril, Dieu se lève pour toi, comme il est écrit, « Lève-toi et que nos ennemis se dispersent. » Nous aurons pendant ce mois des programmes spéciaux redoutables qui apporteront une grande mesure de délivrance et de bénédiction dans la famille et la vie de chaque personne qui suit et croit en mon ministère. Déjà, il faut noter que du 24 au 26 avril, tous les soirs à partir de 17h, nous nous retrouverons pendant 3 jours au foyer Banjoun, la guerre de l'Éternel contre les œuvres de la sorcellerie. La Bible dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable ». Retrouvez-moi au foyer Banjoun le 24, le 25 et le 26 avril, tous les soirs à partir de 17h. Et dimanche le 28 avril, retrouvons-nous au palais des congrès de Yaoundé pour le grand culte familial. Le culte familial est ponctué par le service d'eau ointe. Nous allons laver nos faces, on va laver nos mains pendant ce mois d'avril pour révoquer les malédictions sur notre destinée et notre travail. Donc, le service d'eau ointe sera disponible. Chaque personne aura une bouteille d'eau ointe gratuitement distribuée. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Vous verrez ce qui va se passer sur place, dans la salle. Les gens vont laver les mains sur place, juste quelques gouttes. Vous verrez la puissance de Dieu se manifester. Et nous aurons lavement de face aussi pour que toute toile d'araignée maléfique et mystique puisse être déchirée selon ce qui est écrit. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Nous aurons aussi la consécration de famille avec la présentation de nos offrandes de famille devant Dieu. On va prier famille après famille pour anéantir les œuvres de la sorcellerie dans nos familles. Et par la grâce du Seigneur Jésus, chaque famille devra avoir sa bouteille d'huile de faveur pour la consécration finale de la famille et l'onction finale. Ce sera un moment de guérison, de délivrance et de restauration. La dernière fois, on n'a pas pu prier sur les malades parce que nous étions à trois et le temps nous était compté. Mais cette fois, je prendrai le temps. Ceux qui ont des enfants qui confessent la sorcellerie, venez avec eux tout le mois d'avril pendant nos cultes. Et ceux qui sont victimes de la sorcellerie, venez. Nous allons prier pour les malades. Dieu apportera la délivrance, une grande délivrance, une très grande délivrance à son peuple pendant ce mois d'avril. Alors, il faut retenir déjà que ce mois d'avril, voici les grands programmes. Nous aurons 4 dimanches de combat contre la sorcellerie où j'encourage chaque famille de ne point manquer. Ne manquez pour rien au monde, ne manquez aucunement. Dimanche 7 et dimanche 14 avril, à partir de 8h du matin, nous ne serons pas à la bire en quoi bon, mais nous serons du côté du foyer Banjoun où la main de Dieu se manifestera puissamment. Pourquoi le foyer Banjoun? Parce que l'accessibilité est plus facile. Je voudrais faciliter l'accès à un plus grand nombre de personnes pour que personne ne dise que c'est à cause de la distance que j'ai manqué ma bénédiction. Et nous aurons les 2 derniers dimanches du mois d'avril, dimanche le 21 et dimanche le 28 avril. Nous ne serons plus au foyer Banjoun, mais nous allons être au palais des congrès de Yaoundé à partir de 8h du matin. Donc, ce mois d'avril, nous n'avons pas un culte de dimanche à la bire. Mais cependant, la garnison des prophètes aura lieu à la bire du 16 au 18 avril, le matin à 9h et le soir à partir de 16h. Donc, le seul programme que nous tiendrons ce mois à la bire, c'est la garnison des prophètes. La nuit des flammes se tiendra au palais des congrès vendredi 19 avril à partir de 21h. Dans tous les cas, le mois d'avril t'est présenté. Ne reste pas à la maison. Dieu veut combattre ton combat. Tu ne te sens pas bien physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement. Nous allons prier pour toi. Si tu soupçonnes que tu subis des cas de sorcellerie, nous allons prier pour toi. Ce programme est pour toi. Et si tu es victime de sorcellerie, ce programme est pour toi. Si tu es issu d'un village où l'on pratique la sorcellerie et que tu soupçonnes qu'il y ait eu des actes de sorcellerie dans ta famille, contre ta vie, ce programme, il est pour toi. Tu penses que ta vie sentimentale n'est pas normale, quelque chose ne va pas bien, ou ta vie
vie financière ou bien ta carrière, ta vie professionnelle, dans tous les cas, tu es invité à ce grand programme. Tu veux avoir un moment d'adoration, d'intimité avec le Saint-Esprit. Ce programme est pour toi. Nous allons prier. Les malades seront guéris littéralement. Dieu se manifestera puissamment. Des milliers de personnes sont mobilisées. On aura des temps de prophétie, de révélation, un temps de guérison, des moments de délivrance puissante, de confession, des actes et des œuvres de la sorcellerie. Et un moment de louange et d'adoration énorme dans la présence de Dieu. Dans tous les cas, le mois d'avril, c'est un mois exceptionnel. Et nos programmes sont le lieu le plus indiqué pour toi, pour adorer Dieu, le connaître et le rencontrer de façon personnelle. Il faudrait savoir que voici l'injonction prophétique de ce mois d'avril. Pendant les quatre dimanches, nous viendrons devant l'Éternel avec un objet qui représente notre maison. Comme je peux parler dans les maisons déjà, apportez votre maison à l'église. Prends un objet, ça peut être une pouffe, ça peut être une cuillère, ça peut être... Bon, pas des objets tranchants, pas de couteau ou de lame de rasoir, non. Tu peux prendre une pouffe, tu peux prendre une fleur, tu peux prendre n'importe quoi dans ta maison, quelque chose qui peut blesser ton frère. Venons avec ces objets, ça peut être un vêtement. Venons avec cela. Dimanche le 7, dimanche le 14, au foyer Banjoun, je veux prier dessus. Proclamer les jugements de l'Éternel contre les yeux de la sorcellerie dans ta maison et ta vie. Et le dimanche 21 et 28, au palais des congrès, la même chose. Et le dimanche 28, je veux consacrer ces choses à l'Éternel. Chacun retournera avec. Quand tu retourneras avec ces choses à la maison, dès qu'elle entrera, le jugement de Dieu commencera contre tes ennemis, contre les autels totémiques et maléfiques. Et Dieu manifestera une grande gloire. Et je voudrais exhorter le peuple à prendre très au sérieux l'offrande de consécration familiale. Parce qu'il y a tellement de familles qui négligent l'offrande familiale et qui parfois viennent même devant sans offrande familiale. Bien-aimés, soyons sérieux devant le Seigneur et soyons sérieux envers les choses saintes. Ne manque pas à ces grands programmes. Le Seigneur t'invite. Ne lui désobéis pas. Collabore à ta propre délivrance et tu sauras à la fin de ce mois qu'il y a des prophètes dans ces nations. Shalom, shalom, shalom.